Bonjour tout le monde, on va attendre 2 minutes que tout le monde soit connecté avant de commencer. Ok, alors la séance d'aujourd'hui va être entièrement consacrée à l'analyse de la stabilité des modèles. Donc c'est vraiment la suite de ce qu'on a fait dans les dernières semaines, à savoir qu'on a introduit la notion qui est la notion d'équilibre, quand est-ce que le système arrête de changer dans le temps. Et dans certains modèles, on a observé qu'il y avait des comportements un petit peu différents qui pouvaient se produire. Il y avait des modèles qui allaient vers leur équilibre tout de suite, il y avait des modèles qui faisaient des spirales autour. Et ce qu'on aimerait, c'est avoir une façon de quantifier ça d'une manière plus formelle que ce qu'on a fait jusqu'à présent. J'ai juste essayé de régler ma caméra pour que ce soit à peu près droit. Et puis on va commencer. Non, c'est dans l'autre sens. Ouais, pas mal. Ça va suffire. Donc, je vais pas entrer dans l'ensemble des détails mathématiques de comment ça fonctionne comment ça fonctionne vraiment d'un point de vue mathématique. C'est expliqué dans les chapitres 7 et 8 du livre de Otto Wendel que vous avez à lire. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est prendre trois modèles et puis aller explorer des situations différentes avec ces trois modèles. Donc on va commencer avec un exemple assez simple. Le premier modèle qu'on va utiliser, on en est où là? On est là. C'est bon. Bio. 32. Le premier modèle qu'on va utiliser, c'est un modèle de proie et de prédateur, dans lequel la proie, au lieu d'avoir un taux de croissance intrinsèque, elle va avoir un taux d'immigration. Donc les nouvelles proies, elles rentrent dans le système parce qu'elles arrivent de l'extérieur. Et puis elles sont consommées par les prédateurs avec un taux qu'on va appeler alpha. Et puis qui dépend d'une réponse fonctionnelle de type 1, donc de la densité de la proie et du prédateur. Alpha, c'est nul comme variable, on va appeler ça bêta. Ça évitera qu'on confonde avec x. La taille de population du prédateur, elle change en fonction de son efficacité écotrophique, fois le taux de prédation, fois l'effet de x fois y. Et puis, comme d'habitude, notre prédateur, il a un taux de mortalité intrinsèque qu'on va appeler delta. Donc ça, c'est notre modèle. La première chose à faire avant de se poser la question de la stabilité, ça décrit de manière caractéristique un équilibre dans le système, et donc il faut qu'on trouve les états d'équilibre. Donc des états d'équilibre dans ce système-là, on peut commencer par se poser la question: qu'est-ce qui se passe si x est égal à 0? Si x est égal à 0, ce terme-là est égal à 0, ce terme-là est négatif, le prédateur il va s'éteindre, vous pouvez faire le calcul si vous voulez. Ce terme-là, il est négatif. Par contre, ce terme-là, il est positif. Et x va croître avec une valeur qui est constante. Et on va avoir on n'aura pas d'état d'équilibre. X va aller vers l'infini. Donc, l'équilibre où la situation où le prédateur est absent, ça va avoir une proie qui n'a pas d'équilibre. Donc, l'équilibre qui va nous intéresser ici, c'est est-ce qu'on arrive à avoir à la fois la proie et le prédateur? Donc pour ça, on va faire la même chose que d'habitude, c'est-à-dire qu'on va prendre cette équation ici. Et donc on a y facteur de epsilon bêta x moins delta qui est égal à 0.
Et donc ça nous donne un premier équilibre qui est epsilon bêta x est égal à delta. Et donc x étoile, c'est delta sur epsilon fois bêta. Ok, donc ça c'est notre premier état d'équilibre. On va juste... C'est la première moitié de notre état d'équilibre. Parfait. La deuxième chose qu'on va faire, maintenant qu'on a identifié le premier état d'équilibre, c'est de le prendre et puis d'aller le réinjecter dans la deuxième équation, l'équation pour la proie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire θ moins bêta fois... Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a delta divisé par epsilon fois bêta. On ça. Fois y. On résout ça quand c'est égal à 0. Donc qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne que bêta se simplifie. Donc on a θ moins delta sur epsilon égale y. Y égale 0, pardon. Et donc tout ça, ce que ça nous donne, c'est delta sur epsilon y égale θ. Et donc y étoile égale θ epsilon sur delta. Parfait. Deuxième partie de notre état d'équilibre, taille de population du prédateur exprimée en fonction des paramètres. Ok. Donc là, en fait, ce qu'on sait, c'est que à n'importe quel endroit de notre plan, qui est défini par la valeur de x et la valeur de y, il existe un point dont les coordonnées sont delta sur epsilon fois bêta et theta epsilon sur delta, qui correspond à l'équilibre du système. La question, là, ça va être comment est-ce qu'on s'approche de cet équilibre? Est-ce qu'on s'approche directement? Est-ce qu'on s'approche en tournant? Quand on est sur l'équilibre, est-ce que si on subit une perturbation, est-ce qu'on y revient? Ou si on subit une perturbation, est-ce qu'on s'en écarte? Donc est-ce que cet équilibre il est stable? Et puis autour de ça, quel est son comportement dynamique ici? Donc pour ça, vous avez vu en faisant vos lectures qu'il fallait calculer une matrice qu'on appelle la matrice jacobienne. Donc la matrice jacobienne, on va juste prendre le temps de redéfinir, juste parce que l'ordre des colonnes puis des lignes est super important. On va rajouter un petit élément de notation ici. Et en fait, on va noter la dérivée de x en fonction du temps. On va la noter f de x. Et en fait, c'est une fonction de x et de y. Et la dérivée de y, on va la noter g. C'est aussi une fonction de x et de y. Ça... c'est important parce que dans la matrice jacobienne, ce qu'on va mettre, c'est les dérivées partielles de ces deux fonctions. Donc notre matrice jacobienne ici, ça va être égal à la dérivée partielle de f sur x, la dérivée partielle de f sur y, la dérivée partielle de g sur x. Et la dérivée partielle de g sur y. Qu'est-ce que c'est les dérivées partielles? Il y a deux réponses à ça. La réponse numéro 1, c'est que c'est on prend une fonction et on dérive en traitant la variable qui est ici comme la variable et toutes les autres variables comme des constantes. C'est la définition mathématique, on va dire. La définition intuitive de ce que c'est une dérivée partielle, c'est que ça vous donne une expression pour l'effet de la variable par rapport à laquelle on dérive sur la fonction qui nous intéresse. Autrement dit, la dérivée partielle de f sur x, c'est quel est l'effet d'une variation de x sur la valeur de f. Dans la matrice jacobienne, ce qui est extrêmement important, c'est l'ordre des opérations. Okay? Donc on a la dérivée de... On a f ici, et puis on a... je prends une deuxième couleur, on a g. Ici. Et donc ce qu'il faut voir, c'est que on va garder les fonctions sur les lignes. On a f ici et puis g ici.
Et les deux variables qu'on a, c'est les deux variables qu'on a, je vais prendre d'autres couleurs, c'est x et puis y. Okay, on va les colorier, ce sera plus simple. Et là, ce qu'on voit, c'est que x et y, ils sont sur les colonnes. Okay. Donc, on fait varier les fonctions sur les lignes, on fait varier les variables sur les colonnes, et surtout, on respecte l'ordre. Donc, c'est toutes les fonctions dans le même ordre, les variables dans le même ordre, et puis, ça, c'est particulièrement important parce qu'il y a de l'information qui est contenue dans la diagonale de cette matrice. Donc, on ne met pas les dérivées partielles comme on veut complètement au hasard là-dedans. Il y a vraiment un ordre pour ça. OK. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en pratique de prendre la dérivée partielle de f par rapport à x? Ben, on va les écrire à la main tranquillement. Donc, la dérivée partielle de f sur x. Donc, on va prendre. Si, rappelez-vous de vos règles de dérivation, des dérivés usuels, si vous les avez oubliées, il y a des fichiers PDF que vous allez trouver sur Internet qui vont vous rappeler tout ça. En tout cas, la dérivée de θ sur x, c'est une constante, donc ça c'est égal à 0, on va pas s'en occuper. Ici, on a la dérivée de moins bêta x fois y. X, c'est la variable avec laquelle on dérive, donc c'est la forme a fois x, et la dérivée de a fois x, c'est a. Donc ici, c'est moins bêta fois y. Ça, c'est la première entrée dans notre matrice jacobienne. Quelle est la position dans une matrice? On va parler des entrées dans cette matrice. Ça, c'est la première entrée. On va calculer la deuxième, dérivée partielle de f sur la dérivée partielle de f sur y. Encore une fois, θ ici, c'est 0, c'est une constante. Et puis là, on a moins bêta fois x fois y. Donc on considère que c'est de la forme a fois y. Et la dérivée, c'est donc moins bêta x. OK. On fait la même chose maintenant pour les autres dérivées partielles. Donc dérivée partielle de g sur x. Je les mets dans l'ordre où elles sont dans la matrice jacobienne sur ma feuille. C'est pas par accident. C'est pour éviter de faire une erreur en les recopiant par la suite. Donc là, on prend l'expression pour x. La dérivée de epsilon bêta x fois y par rapport à x, c'est epsilon fois bêta fois y, moins delta y, ça c'est une constante, donc moins rien du tout. Puis pareil maintenant, dérivée partielle de g sur y. Et ça c'est égal à du coup epsilon bêta x moins delta. Cette fois. Félicitations. Ok. Moins delta. Donc, ce que ça nous permet de faire, c'est de réécrire ici. On prend ces quatre éléments, puis on les met dans notre matrice jacobienne. Donc, ce qu'on a ici dans la première entrée, c'est moins bêta y. Ce qu'on a dans la deuxième entrée ici, c'est moins bêta x. Là, on a epsilon bêta y, et puis ici on a epsilon bêta y moins delta. Ça, c'est la matrice jacobienne de notre système d'équations. On a deux équations, deux variables, et puis voilà la matrice jacobienne qui décrit le comportement de ça. Ce qu'on doit faire avec cette matrice, x dans le quatrième, oui, merci. Très juste. Ce qu'on doit faire avec cette matrice maintenant, c'est substituer les x et les y par leur valeur, pardon, à l'état d'équilibre. Donc on va retirer cette feuille. Ok, on peut faire mieux, mais c'est pas grave. Donc, on va prendre ce sur quoi on veut travailler en pratique, c'est pas juste notre matrice jacobienne. Okay. C'est la matrice jacobienne qu'on va évaluer au point x égale x étoile
Y égale Y étoile. Donc cette notation-là, ça veut dire on prend la matrice et on va substituer à chaque fois qu'on voit x, la valeur de x à l'état d'équilibre, delta sur epsilon bêta, et la valeur de y à l'état d'équilibre, theta epsilon sur delta. Pourquoi on fait ça? Parce que une fois qu'on aura fait cette approximation, cette substitution, pardon, ça va nous donner le comportement du système dans sa version linéarisée autour du point d'équilibre. Puis ce que ça veut dire, c'est que ça, en fait, si on a un système qui se comporte de cette façon-là, quand on zoome très très proche, ce qu'on veut savoir, c'est pas est-ce qu'il est courbe ou pas, c'est si on le représentait par une ligne qui est droite, qu'est-ce que ça ferait? Et c'est l'information qui est contenue dans la matrice jacobienne. Donc reprenons notre matrice jacobienne et puis on va substituer nos différents termes. Le premier c'est moins bêta y, donc c'est moins bêta fois theta epsilon sur delta. Ici on a moins bêta x, donc c'est moins bêta fois delta sur epsilon bêta. En dessous, on a epsilon bêta y, donc c'est epsilon bêta theta epsilon sur delta. Et puis ici, on a epsilon bêta x, donc ça fait epsilon bêta fois delta. C'est epsilon bêta sur delta pour x moins. Moins. Attendez. Ok, je vais la refaire. Epsilon bêta fois delta sur epsilon bêta moins delta. Ok, ça c'est notre matrice jacobienne avec les valeurs qui ont été substituées. Donc on va faire toutes les simplifications qu'on est capable de faire. Et donc les simplifications qu'on obtient une fois qu'on a fait ce. Une fois qu'on a tout simplifié, donc ça c'est égal à. Le premier, qu'est-ce qu'on simplifie? Ben, rien du tout. Donc c'est moins bêta theta epsilon sur delta. Le deuxième, c'est moins delta sur epsilon. Donc on simplifie les bêta. Ici, qu'est-ce qu'on simplifie? Rien du tout. On a un terme en epsilon carré qui apparaît. Epsilon carré bêta theta sur delta. Et le dernier, on enlève les epsilon bêta, donc il reste delta moins delta, ça fait 0. Parfait. Là, vous pouvez aller voir dans le primer 2 de Auto-Hendaye si cette matrice elle a une forme particulière pour laquelle on connaît des raccourcis. Mais pour l'instant, on va faire le travail à la main. Ce qu'on veut savoir sur cette matrice, l'information principale qu'on cherche, c'est ses eigenvalues, okay, ses valeurs propres. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va nous décrire la stabilité du modèle. Donc pour qu'un système soit stable, on veut que ses valeurs propres elles soient toutes négatives. En fait, que la partie réelle de ses valeurs propres soit toute négative. La partie réelle des valeurs propres, ça nous apprend la stabilité du système. Et l'existence de la partie imaginaire des valeurs propres, ça nous apprend le caractère oscillatoire ou non du système. Donc la façon d'aller identifier les valeurs propres, c'est qu'en fait, ça va être la solution de l'équation suivante qui est delta j moins lambda i égale 0. Puis ça va nous donner quelque chose qui s'appelle le polynôme caractéristique. Caractéristique de quoi? Caractéristique de la matrice. Okay. Puis quand on fait tout ce travail de développement, on va se rendre compte qu'en fait, on a un système avec deux équations, et donc on va avoir un polynôme d'ordre 2, un polynôme d'ordre 2, on sait comment
On sait comment les résoudre, parce qu'on a la formule quadratique. Et donc, ce qu'on sait, c'est que ces valeurs propres, lambda 1 et lambda 2, c'est égal à la trace de la matrice, plus ou moins la racine carrée de la trace de la matrice au carré, moins 4 fois le déterminant de la matrice sur 2. Dans une matrice avec deux entrées, au passage, on peut vérifier que lambda 1 plus lambda 2, c'est égal à la trace de cette matrice. Juste un petit test pour vérifier qu'on a fait le travail comme il faut. Donc, là, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que ces valeurs-là, elles sont positives ou est-ce que ces valeurs-là, elles sont négatives? Est-ce que les racines... Donc ça, c'est une formule qui est déjà donnée. Oui, c'est une formule qui est déjà donnée. En fait, on peut la calculer, si vous voulez. Donc, on va prendre le déterminant de... On va prendre une matrice M qui va être composée des entrées suivantes, M égale A, B, C, D. Donc la matrice M moins lambda I, c'est égal à A moins lambda B, C, D moins lambda. Et ensuite, on veut le déterminant de ça. Donc le déterminant de M moins lambda I, c'est égal à A moins lambda fois D moins lambda moins BC. On continue à développer tout ça. Ça va nous ramener sur... on peut le faire. En fait, ça fait A fois D moins lambda D. En fait, moins lambda D moins lambda A plus lambda carré moins BC. Et puis au final, si on met nos termes comme il faut, ça nous donne lambda carré plus lambda A plus D. Non, ça va être moins lambda A plus D. Ce sera plus facile à avoir. Plus AD moins BC. Et puis là... Tout le monde est soudainement devenu super fort en algèbre linéaire. Vous allez reconnaître deux variables extrêmement importantes dans cette formule. Qui sont en orange, la trace de la matrice M. Et puis en bleu, son déterminant. Donc on a un polynôme qui a la forme x carré, ax carré plus bx plus c. On substitue les a, les b et les c dans l'équation qui nous donne les racines qu'on avait. Donc c'est b plus ou moins b plus ou moins racine de b carré moins 4ac sur 2a. A c'est égal à 1. On remplace tout ça, ça nous donne la valeur des valeurs propres. Ceci dit, ça c'est utile comme approche. Est-ce que cette formule est dans le primer 2 de Auto-Hendé? Oui. C'est probablement la formule P2.27 ou autour de ça. C'est autour de la 25e équation. Ça, c'est principalement utile quand on a des systèmes qui ont plus que deux variables. Parce que quand on a des systèmes avec deux variables, on a des raccourcis qui sont basés sur uniquement la trace et le déterminant. Donc là, on va voir ces raccourcis, puis plus tard dans la séance, on va comprendre pourquoi est-ce qu'on peut utiliser ces raccourcis. Pourquoi est-ce qu'on veut utiliser ces raccourcis? Donc, dans un système avec deux variables, ce qu'on sait, c'est que notre système, il est stable. Si et seulement si la trace de la matrice jacobienne elle est négative
et si le déterminant est positif. La solution de pourquoi, elle est cachée là-dedans. On y reviendra plus tard parce qu'on va avoir on va être confronté à un modèle où il faut refaire le travail un peu différemment. Mais là, on peut regarder, c'est quoi la trace de notre matrice? La trace de notre matrice, c'est moins bêta fois θ fois epsilon divisé sur lambda. Est-ce que c'est négatif? Ah oui, toujours. Pourquoi c'est toujours négatif? Parce que tout ça, c'est des paramètres et qu'on sait que les paramètres dans notre modèle, ils sont positifs. Donc a priori, notre modèle, il est stable. Enfin, il a le premier critère de stabilité qui est garanti. Le deuxième, c'est qu'il faut que le déterminant soit positif. Donc le déterminant, rappelez-vous, c'est le produit, dans une matrice de 2 par 2, c'est le produit des éléments sur la diagonale, moins le produit des éléments hors diagonale. Donc, le produit des éléments sur la diagonale, il y a un 0 sur la diagonale, autrement dit, c'est facile. Ça va être 0 moins le produit de ça. Donc allons-y, ça va être moins delta sur epsilon, donc delta sur epsilon. Et puis multiplié par epsilon carré bêta theta sur delta. Puis là, ce qu'on veut, c'est que ce soit positif. Okay? Donc on peut simplifier un peu si on veut, il y a les delta qui s'en vont, il y a les epsilon qui s'en vont, peu importe. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a uniquement des termes qui sont des paramètres, puisqu'on a des termes qui sont des paramètres. Même chose que tout à l'heure, ce sera toujours positif. Donc cet équilibre-là, ce qu'on est capable d'en dire, c'est que quand il existe, rappelez-vous que les équilibres n'existent pas toujours avec des valeurs qui sont biologiquement réalistes. Celui-là, tant que les paramètres sont positifs, il existe. Il va être stable. Donc ce qu'on est capable d'apprendre avec l'analyse de cette matrice jacobienne, c'est que notre système, une fois qu'il sera autour de cette valeur d'équilibre, il va y rester. Si on applique une perturbation, il ne va pas aller s'écarter de l'état d'équilibre. Et en fait, on sait aussi qu'il va approcher cet état d'équilibre. On le sait parce que vous pouvez faire le même exercice avec l'équilibre, avec l'état où on part de 0, 0. Vous allez voir que cet équilibre-là, il est instable. Et donc, on va aller rapprocher de cet équilibre aussi. La question maintenant qui est vraiment intéressante, c'est comment est-ce qu'on va s'approcher de cet équilibre? Donc, est-ce qu'on va s'approcher de l'équilibre de manière directe, donc on va dire en ligne droite pour simplifier un peu, ou est-ce qu'on va s'approcher de l'équilibre en faisant des oscillations et en faisant une spirale? Donc, rappelez-vous qu'on a vu. On a vu une spirale quand on a fait des simulations du modèle proie prédateur avec de la compétition. Et on a vu que notre système, il oscillait autour de ça. Pour savoir si notre système, il va faire une spirale ou non, ce qu'on a besoin de faire, c'est d'aller se poser la question de nos valeurs propres. On va aller classifier leur partie réelle et leur partie imaginaire. Ça, on le fait pour chaque valeur propre. Okay? Donc là, on a deux équations dans notre modèle. Je vais y arriver. Et on a donc il faut qu'on fasse ça pour les deux valeurs propres. Okay? Un modèle qui est un système pardon, qui est stable, il va avoir des valeurs propres qui ont une partie réelle qui est négative. Donc la zone de stabilité, elle est dans cette partie-là de l'axe. Okay. Si nos valeurs propres sont une partie imaginaire, donc ce qui va se passer, c'est que au lieu d'avoir une dynamique autour de l'équilibre qui est linéaire, on va avoir une dynamique autour de l'équilibre où on va s'en rapprocher, mais on va s'en rapprocher en tournant. Pourquoi est-ce que ça tourne? C'est parce qu'il y a un rapport entre la constante I et puis les fonctions sinusoïdales. Ça, encore une fois, c'est expliqué dans le livre de Otto Ende. On ne va pas refaire
l'historique mathématique de tout ça. Ce que ça veut dire, c'est que en fait, notre zone qui correspond à de la stabilité, par ici, elle peut correspondre à des scénarios dynamiques très différents selon que nos valeurs propres présentent des parties imaginaires ou non. Des parties imaginaires, ça peut se produire si, rappelez-vous qu'on utilise la formule quadratique ici pour avoir les valeurs propres, et à un moment il y a une racine carrée. Donc la racine carrée qu'on a spécifiquement, c'est racine de la trace au carré moins 4 fois le déterminant. Et donc ce qu'on veut ici, c'est savoir quand est-ce que notre système il va se mettre à osciller. Il va se mettre à osciller quand la quantité qui est sous la racine carrée, elle est négative. Okay, donc si on prend la racine carrée d'un nombre négatif, on va avoir une réponse qui est complexe. Autrement dit, les oscillations, ça demande, on va simplifier un peu la notation parce que ça m'agace, que la trace moins 4 fois le déterminant soit inférieure à 0. La trace au carré moins 4 fois le déterminant soit inférieure à 0. La trace de notre matrice ici, on l'a calculée tout à l'heure, je ne sais plus ce que c'est. C'est bêta, θ, epsilon divisé par delta. Ouais, je crois que c'est ça. Au carré moins 4, le déterminant, c'est epsilon bêta, θ, soit inférieur à 0. Okay. Donc ça, c'est notre critère. Si on réorganise nos termes, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne epsilon bêta theta fois epsilon 1 sur delta carré moins 4 est inférieur à 0. Autrement dit, il y a juste le signe de ça qui nous intéresse. Epsilon theta bêta sur delta carré moins 4 doit être inférieur à 0. Donc ce que ça veut dire ici, c'est que si cette condition-là, elle est satisfaite, il va y avoir des oscillations. Si cette condition-là, elle n'est pas satisfaite, il ne va pas y avoir d'oscillation. Ça, c'est super important parce que ce que ça nous dit, c'est quand est-ce que notre système il va s'approcher de son état d'équilibre de manière linéaire, on va dire. Donc quand est-ce qu'on va s'approcher comme ça? Ou quand est-ce qu'on va s'approcher en tournant autour du système. Dans tous les cas, on va rejoindre l'état d'équilibre. Dans tous les cas, on va y rester. Cet équilibre, il est stable. On le sait parce que les valeurs propres, elles sont négatives. La trace est négative, le déterminant est positif. Par contre, la spécificité de ce modèle-là, c'est que selon la valeur relative des différents paramètres, on va avoir un comportement qui va dépendre de la valeur de epsilon, theta, bêta et delta. Donc ça, c'est un truc qu'on peut vérifier expérimentalement. On programme le modèle et puis on choisit des valeurs de paramètres et puis il y a une situation qui devrait nous donner des oscillations et d'autres pas. Est-ce que les oscillations font tourner autour du point au lieu d'y aller directement? Oui, on y va quand même. Okay? On y va et puis on va arriver dessus à un temps qui est infini. On va être extrêmement près de ce point. La seule différence, c'est qu'on ne va pas y aller tout droit. Mais on s'en rapproche. Donc à chaque oscillation, puis on peut aussi calculer la période de ces oscillations à partir de la matrice jacobienne si jamais ça nous amuse. À chaque oscillation, quand on a fait un tour, on est plus près du point qu'au tour précédent. Puis plus on fait de tours, plus on s'en rapproche. Ça, c'est une des caractéristiques de cette situation-là. Et puis ça, on peut le savoir parce qu'on a notre classification des états d'équilibre en fonction de est-ce qu'ils ont une partie imaginaire, oui ou non, et est-ce que la partie réelle est négative.
Au passage, si la partie réelle était positive, mais qu'il y avait une partie imaginaire, on aurait le comportement inverse, où on partirait du point et on s'écarterait du point en faisant une spirale. Donc oui, en fait, si, donc ça c'est la condition pour les oscillations. Si c'est vrai, on va osciller. Si c'est faux, on va pas osciller. Ce qui est important à voir ici, c'est que c'est pas une caractéristique du modèle. On peut dire ah, ce modèle il oscille ou ce modèle il oscille pas. Ce modèle il va avoir un comportement qui est différent en fonction des paramètres qu'on lui met. Donc, dans certains cas, on va atteindre directement l'équilibre. Dans d'autres, on va atteindre l'équilibre mais on va tourner autour avant de s'en rapprocher. Ok, donc ça c'était le premier modèle que je voulais qu'on voit. On est un peu en retard par rapport à ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, je sais ce qu'on va faire. Ok, on va simplifier un peu notre modèle. On va repartir sur un exercice qui est un petit peu différent parce que je voudrais introduire une façon alternative pour les modèles avec deux variables. De faire ça. Est-ce que dans les deux cas on atteint presque l'équilibre ou bien le point est atteint un temps T Oui. Deux. On n'atteint jamais exactement le point, mais la différence n'est pas. La différence n'est pas super importante. Si la partie réelle était positive, on partirait du point et on s'éloignerait de plus en plus. Exact. Si la partie réelle est positive, l'équilibre est instable. Puis, il suffit d'avoir une seule valeur propre qui a une partie réelle positive pour que le système il soit instable. Okay? Donc, si vous avez trois équations et que pour une de ces équations, elle est associée à une valeur propre qui a une partie réelle positive, on sait que notre système il est instable. Donc, il faut qu'on caractérise l'état de l'ensemble de de l'ensemble des valeurs propres. Il y a des raccourcis pour les systèmes à deux et trois équations, le fameux critère de Rousseau-Witz. Il y en a pour quatre aussi. À partir de cinq, en général, soit on fait à la main parce que c'est faisable, soit on fait des simulations. Ok, reprenons le modèle que tout le monde connaît en écologie, le modèle de prédation de Lhotka-Volterra. Donc on a la dérivée de x qui va être égale à, on va appeler ça a fois x. Donc ça c'est un taux de croissance exponentielle moins b fois xy. Et la croissance du prédateur, ça va être c fois xy moins d fois y. Là, on peut calculer nos états d'équilibre. Ça ne devrait pas nous prendre tellement de temps. X étoile, c'est égal à. Pardon, y étoile, c'est égal à. C'est égal à a sur b. Et puis x étoile, c'est égal à d sur c. Ok. Je vous laisse refaire l'exercice à la maison. Faites-moi confiance, c'est les états d'équilibre. Ok. Donc là, pour faire notre analyse de stabilité à cet équilibre-là, pareil, on a besoin d'aller calculer notre matrice jacobienne. Donc la jacobienne, dedans, on va mettre la dérivée partielle de ça par rapport à x. Ça fait a moins by. La dérivée partielle de ça par rapport à y, ça fait moins bx. La dérivée partielle de ça par rapport à x. Ça fait CY et la dérivée partielle de ça par rapport à Y, ça fait CX moins D. Parfait. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est aller évaluer la matrice jacobienne au point d'équilibre. Okay, donc on va aller évaluer ça à X égale à X étoile, Y égale Y étoile. Et là, il suffit de remplacer y étoile à chaque fois qu'on voit y, x étoile à chaque fois qu'on voit x. Et là, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne que le premier terme, c'est a moins b fois a sur b. Les b simplifient, il reste a moins a
Ça fait 0. On va faire l'autre terme ici. Ça fait C fois D sur C. Donc les C simplifient, il reste D moins D. Ça fait 0. Intéressant. Et puis après, donc on remplit ici. C fois Y, ça fait C fois A sur B. Et puis ici, on a moins B fois AD sur C. Ok. Là, on a une situation qui est un peu, qui est un petit peu différente de celle qu'on attendait tout à l'heure. Parce que rappelez-vous que la question qu'on se pose pour la stabilité, c'est la question numéro 1, c'est est-ce que la trace, elle est négative? Si c'est oui, il y a de chances qu'elle soit stable. Si c'est non, il y a de chances qu'elle soit instable. Le problème qu'on a, c'est qu'entre négatif et positif, il y a un truc qui est la trace, elle est exactement égale à 0. Donc là, on n'est pas dans cette situation, on est dans la situation où la trace de notre système est égale à 0. C'est là que la classification des points d'équilibre en fonction des valeurs réelles et imaginaires, quand on a la chance d'avoir un système avec deux équations, c'est pas forcément la plus adaptée. Parce que, rappelez-vous, ce qui va être important pour plein de choses, c'est la relation entre le carré de la trace au carré moins 4 fois le déterminant, la partie qui est sous la racine dans les équations. Okay. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est de se poser la question de à quoi il ressemble le déterminant de notre matrice. Juste pour vérifier, le déterminant ici, ça va être égal à le produit des éléments sur la diagonale, c'est 0, moins le produit de ça, donc ça fait plus en fait, B fois D sur C fois A sur B. Qu'est-ce qui se simplifie? C et puis B. Le déterminant, c'est A fois D. Votre déterminant, il est positif. Notre trace, elle est égale à 0. On sait que si la trace, elle est négative et que le déterminant est positif, notre système, il est stable. Et là, on est dans une situation où, ok, la trace, elle n'est pas négative. Puis, c'est bon de faire un petit interlude de qu'est-ce qu'elle nous apprend la trace de la matrice. En fait, une des interprétations qu'on peut avoir, c'est est-ce que le système, il a tendance à augmenter dans ses valeurs ou à diminuer. Si c'est négatif, ça a tendance à diminuer. Puis rappelez-vous, parce que vous avez lu toute la partie mathématique avant cette séance, ce qu'on mesure en fait, c'est le changement dans la perturbation autour du point d'équilibre. Donc si la trace, elle est négative, cette perturbation, elle diminue. Si elle est positive, cette perturbation, elle augmente. Le déterminant, ce qu'il nous apprend, c'est un petit peu moins intuitif. C'est beaucoup moins intuitif, en fait. Mais c'est une mesure de l'indépendance entre les lignes dans notre matrice jacobienne. C'est une mesure de l'indépendance entre nos différentes fonctions. Il n'y a pas de... En tout cas, j'ai jamais trouvé d'interprétation intuitive très satisfaisante du déterminant. Mais peu importe. Là, notre trace, elle est nulle. Et ce que ça nous dit, c'est que notre perturbation, elle varie pas. Elle reste à peu près la même tout le temps. Donc, mettons ça de côté un instant et puis posons-nous la deuxième question qui devrait nous intéresser quand on travaille sur un équilibre, c'est est-ce que ça oscille ou pas? Donc pour savoir si ça oscille, on veut savoir si notre quantité, la trace au carré moins 4 fois le déterminant, est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est négatif? La trace, c'est 0. Et le déterminant, c'est A fois D. Puis A fois D, c'est un nombre qui est positif, puisque c'est les paramètres de notre modèle. Donc là, ce que ça nous dit, en fait, c'est que nos deux eigenvalues, elles ont des parties imaginaires. Puisqu'elles ont des parties imaginaires, ça veut dire qu'il y a des oscillations. Donc, si on regarde la trace,
Ce qu'on en conclut, c'est qu'il n'y a pas de variation dans la perturbation. Si on regarde le déterminant et sa relation avec la trace, ce que ça nous dit, c'est nos valeurs propres, elles ont des parties imaginaires et donc il y a des oscillations. Donc, si on essaie de réconcilier tout ça, c'est ok, il n'y a pas de changement dans à quelle distance on se trouve du point, mais on tourne quand même. Et puisque ça implique, en fait, c'est qu'on a un point ici, qui est un point d'équilibre. Donc il est défini par les valeurs de x, d sur c et de y, a sur b. Et qu'est-ce que notre système y fait autour du point? Ben, il tourne. Puis contrairement à ce qu'on a vu dans l'exemple d'avant où il tourne mais il se rapproche, là il tourne mais il ne se rapproche pas. Donc il va y avoir un orbite stable autour de ce point. Et si on part avec des conditions initiales un petit peu différentes, ben, on aurait une autre dynamique autour du point, mais on aurait toujours la même chose. Il n'y a pas de valeur des paramètres ici qui fait que, il va plus y avoir de partie imaginaire. Ces paramètres-là, ils sont nécessairement positifs. Donc moins 4 fois un truc positif, c'est nécessairement négatif. Les coordonnées des points sont inversées. Non, j'ai mis x en premier et y en deuxième. Non, non, les coordonnées des points sont correctes, je pense. Non, c'est sûr. On peut douter. Et si on avait encore une troisième série de conditions initiales différentes, on aurait toujours la même chose en fait. On aurait le même comportement du modèle, sauf que ce serait sur un orbite qui est différent. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez essayer aussi de vérifier par simulation. C'est un résultat qui est super intéressant parce que, bon, au-delà du fait que notre trace, c'est un cas particulier qui est égal à zéro, si vous faites votre simulation et que vous voyez que votre modèle il converge vers l'équilibre ou que votre modèle il s'écarte de l'équilibre, c'est parce qu'il y a un problème avec l'algorithme d'intégration numérique que vous utilisez. Donc c'est un bon test en fait de est-ce qu'on utilise un algorithme qui est assez fin, juste parce que si on accumule une toute petite imprécision, imaginez la situation suivante. Donc là on aurait un premier orbite stable ici. Puis là, on aurait un deuxième orbite qui correspondrait à ce qu'on aurait observé si on était parti un petit peu à côté, etc., etc., etc. Puis, imaginez qu'en faisant votre intégration numérique, là, on accumule une petite erreur à chaque fois. Ben, c'est pas impossible que la trajectoire que vous observiez sur vos simulations, elle finisse par converger ou diverger. Okay? Puis en fait, c'est un exemple assez fréquent. On sait que le modèle de Lhotka-Volterra pour les proies et les prédateurs exprimés de cette manière-là, il a des orbites stables, qui ont une forme qui n'est pas ça du tout d'ailleurs, font une espèce de triangle dans le. En tout cas, peu importe. Mais on sait qu'il a des orbites stables, et quand vous faites votre simulation, si vous n'avez pas des orbites stables, c'est que la précision de votre intégrateur numérique, par exemple, n'est pas la bonne, ou qu'il y a un autre problème dans votre modèle. Donc encore une fois, la programmation des modèles et puis l'analyse mathématique des modèles sont en dialogue et puis un nous apprend des choses sur l'autre. La petite erreur serait due à quoi? Très bonne question. La petite erreur est due au fait que les nombres à virgule flottante dans la tête d'un ordinateur, ils ont une précision qui est finie. Puis quand on parle de dérivés, on parle de tout petits nombres et puis du coup on fait des toutes petites erreurs, mais même faire une toute petite erreur, ça peut avoir des conséquences très larges à la fin, puisque bah, quand on fait de l'intégration numérique, on est susceptible de la répéter des dizaines de millions de fois, par exemple. Il y a des mécanismes qui nous protègent de ces erreurs-là. La majorité des packages qu'on utilise pour ce cours, ils font aussi une évaluation de la matrice jacobienne. Il y a un argument qu'on peut passer dans ODE System, je pense, qui va aller calculer la matrice jacobienne pour essayer de vérifier que le comportement soit correct, mais sachez que si vous essayez d'écrire votre simulation à la main en utilisant un algorithme de Runge-Kutta du quatrième ordre, par exemple, il se peut que vous ayez un comportement qui n'est pas celui qu'on attend d'un point de vue mathématique.
Ok, donc tout ça pour dire, en fait, il y a une autre façon, quand on a la chance d'avoir un système avec deux compartiments, d'utiliser les valeurs de la trace et du déterminant pour savoir ce qui se passe. On va le mettre là. Et cette figure-là, ça s'appelle le diagramme de Poincaré. Parce qu'il y a un mec qui s'appelait Poincaré, qui a, je sais pas si c'est lui qui a dessiné ça pour la première fois ou pas. Et ce que ça prend comme information, c'est la valeur de la trace, c'est la valeur du déterminant. Puis par-dessus, en général, on superpose une autre ligne qui est une parabole inversée qui passe exactement par 0, 0 et qui représente la solution de, vous aurez deviné, delta égale 0, donc la partie qui est sous la. Je sais plus où elle est. Qui représente la solution de la trace au carré moins 4 fois le déterminant est égal à 0. En fait, la façon dont on le note en général, c'est la même chose que de dire que le déterminant est égal à un quart de la trace au carré. Cette ligne-là, qu'est-ce qu'elle marque? Comme séparation, ben elle marque la séparation entre les valeurs qui oscillent et les valeurs qui oscillent pas. Okay. Juste parce que c'est le critère qui nous dit si nos valeurs propres vont avoir des parties imaginaires. Et donc, si on est au-dessus de cette parabole, dans toute cette zone-là, on a des parties imaginaires dans nos valeurs propres. Si on a des parties imaginaires, ça veut dire que on va avoir des oscillations. Et donc ce qu'on a, c'est toujours la même façon de lire toujours la même façon de lire le diagramme. En fait, quand notre trace est négative, on est stable. Quand notre trace est positive, on est instable. Et quand on est, c'est-à-dire que quand on est à l'extérieur de la zone où on dépasse le critère, la condition qui fait qu'il y a des oscillations, quand on a un état d'équilibre, on va s'en rapprocher en ligne droite. En ligne plus ou moins droite. Et en ligne droite quand on est exactement dessus et qu'on fait l'hypothèse que notre système il se comporte de manière linéaire. Si on est dans la même situation mais du côté où on est instable, cette fois, on va s'écarter du système en ligne droite. Ce type de comportement, c'est ce qu'on appelle une source. Et ça, un sink, un puits. Un lavabo. Un puits, c'est mieux. On utilise un puits en français. Si on est dans la partie qui est stable et dans la partie qui oscille, on va se rapprocher du point en oscillant. Si on est dans la partie instable qui oscille, on va s'écarter du point en oscillant. Si on est quelque part sur cette ligne, exactement sur cette ligne, par ici, par exemple, on va tourner autour du point avec des orbites qui sont stables. Si on est exactement sur ce point, too bad. Ça dépasse largement ce qu'on va faire dans une séance de 1 heure et demie, mais si on est exactement sur le point où le déterminant est zéro, la trace est zéro, c'est un comportement du système qui n'est pas bien défini. Il y a d'autres techniques qu'on peut utiliser pour voir ce qui va se passer, mais là on ne peut pas répondre à la question est-ce que l'équilibre est stable ou non. Si on a un déterminant qui est négatif, il se passe des choses un peu bizarres, qui ont notamment à voir avec le fait qu'il va y avoir des lignes de points qui restent les mêmes, en tout cas. Mais donc les situations qui vont nous intéresser, en fait, c'est celles qui sont, c'est les 5 situations qui sont là, qui sont est-ce que on est stable et on converge directement, est-ce qu'on est stable et on converge avec une spirale, est-ce qu'on est dans des orbites autour de notre valeur et que on converge jamais exactement sur la valeur, ou est-ce qu'on s'écarte entièrement.
Quels seraient les paramètres qui permettraient d'avoir 0 au déterminant et 0 partout? Donc un déterminant de 0 et une trace de 0. J'avais trouvé un modèle hier soir, et puis j'avais trouvé un modèle hier soir. Je vais essayer de le dénicher dans mes notes, et puis je le posterai sur Discord. Vous pouvez essayer de le faire, vous verrez il a une trace et un déterminant de 0. Et dans ce cas de ce modèle-là, ce que ça indique spécifiquement, c'est qu'il va avoir un comportement qui dépend des conditions initiales. C'est ça. Donc ce diagramme, en fait, moi je l'aime bien par rapport au diagramme qui a les parties réelles et imaginaires, parce que ça nous donne une vision d'ensemble du système qui est très intuitive. Et ce qu'on a besoin de faire, c'est de calculer la trace et le déterminant. Au passage, remarquez que ça nous apprend la même chose. Okay? Ce que ça nous apprend, c'est la trace est négative et le déterminant est positif. Cette région-là du diagramme, c'est stable. Donc, quelque part, c'est simplement une façon différente de projeter l'espace qu'on a vu avant avec les parties réelles et imaginaires. Et c'est ce qu'on a ici, c'est la délimitation entre quand est-ce que quand est-ce que les valeurs propres ont des parties imaginaires ou uniquement des parties réelles. Donc, c'est une autre façon d'approcher la stabilité des équilibres. Et puis, ça fonctionne uniquement pour les systèmes à deux variables. En biologie, il y en a pas mal. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que notre modèle de proie prédateur qui est ici, il a une trace qui est à 0, il a un déterminant qui est positif, et les valeurs propres ont toujours des parties imaginaires. Et donc ça correspond à la situation de on va osciller autour du point. Une conclusion de ça, puisqu'on fait des oscillations autour du point, ça veut dire que quelle que soit la valeur initiale de notre système, on va toujours repasser dessus. Okay? Puisqu'on est pris dans un orbite et on ne s'en déplace pas. On ne se rapproche pas du point d'équilibre. Si on fait une période de plus, une rotation de plus, on ne se rapproche pas du point d'équilibre, on ne s'en écarte pas. Donc quel que soit l'endroit dans le plan XY dont on est parti, X, Y. Si on part d'ici, on va faire notre oscillation une première fois. Et puis on va revenir. Et on va repasser exactement par ce même point. Ça, encore une fois, c'est important parce que ça nous permet de vérifier que nos simulations sont correctes. Okay. On ne passera pas forcément exactement par le même point, mais on va finir par. On devrait pas s'en écarter d'une façon qui est perceptible quand on fait nos simulations. Puis un deuxième point qui est important avec ces orbites-là, c'est aussi une conclusion une conséquence de tout ça, c'est qu'elles ne se croisent pas. Donc si on passe par un point qui. Si on part d'un point différent, on sait que la trajectoire de notre système, elle va aller croiser aucune des autres trajectoires qu'il y a à l'intérieur de ce plan. Pourquoi? Parce que si on était sur ce point, sur un point sur cette orbite, on serait sur cette orbite et pas sur une autre. Okay? Donc si on part d'un endroit différent dans notre espace des valeurs initiales, on va avoir un orbite qui est différent, mais qui va jamais aller croiser un autre orbite. Donc ça, c'est un résultat assez joli à mentionner. Combien de temps il nous reste? Il nous reste à peu près 30 minutes. On va pas prendre 30 minutes. Mais j'aimerais qu'on prenne un peu de temps pour regarder un dernier point, une dernière subtilité. Et juste pour en finir avec le modèle de prédation avec de la compétition. Donc on va reprendre la même chose. On va prendre un modèle avec encore deux équations dedans. Puis ces deux équations que maintenant vous êtes capable d'écrire par cœur, c'est dérivée de x, c'est rx moins qx carré moins bêta xy et
La dérivée de y, c'est gamma xy moins delta y. Parfait. Ce modèle-là, on commence à savoir pas mal de trucs dessus. On a vu ses isoclines, on a vu ses conditions d'invisibilité, on a vu qu'il y avait des fois où l'équilibre proie-prédateur, il n'existait pas, en tout cas. Donc l'équilibre, au passage, il est défini par quoi? Il est défini par x étoile égale delta sur gamma. Là, je fais uniquement l'analyse pour l'équilibre dans lequel il y a les deux espèces. C'est un exercice intéressant pour vous de faire l'analyse de l'équilibre quand il y a une seule espèce, donc juste la proie. Mais là, on va en faire une seule. X, puis la valeur de l'état d'équilibre pour le prédateur, c'est R gamma moins delta Q sur bêta gamma. Ok, ça c'est notre système. On va calculer notre matrice jacobienne. Donc la jacobienne de ça, c'est R moins 2x moins bêta y moins bêta x gamma x gamma y et gamma x moins delta. Ok. Ça, c'est notre matrice jacobienne. Ensuite, on prend ces valeurs, on substitue là-dedans. Il y a un petit peu de simplification à faire. Alors, je vais vous donner la solution directement, parce que j'ai aucune envie de les refaire à la main. Ça fait moins 3 fois delta Q sur gamma. Ça fait moins bêta fois delta sur gamma. Ça fait R gamma moins delta Q sur bêta. Et celui-là, ça fait 0. Donc ça, c'est notre matrice jacobienne évaluée à x égale x étoile, etc. Okay, donc à l'état d'équilibre. Passage, remarquez cette matrice-là, elle a une forme très particulière, okay, elle est triangulaire, il y a des choses qu'on peut dire dessus, si jamais ça nous tentait d'être un peu feignant. Ok, même question qu'on va se poser ici, c'est quoi la trace? Et c'est quoi le déterminant? La trace, c'est facile, il y a un élément qui est 0, donc c'est une première entrée sur la diagonale. Ça fait moins 3 fois delta Q sur gamma. Est-ce que c'est négatif? Toujours. Donc première partie de la question, elle est répondue. Oui, ce modèle-là, la trace, elle est négative. Il va être stable si le déterminant est positif. Est-ce que le déterminant est positif? Alors le déterminant, c'est le produit des éléments sur la diagonale. Donc c'est 0. Moins ça, et donc 0 moins ça nous donne plus bêta sur delta gamma fois 1 sur bêta R gamma moins delta Q. Et ça, on veut que ce soit positif. Qu'est-ce qui se simplifie ici? Qu'est-ce qui se simplifie? Ben, les bêta se simplifient. Donc il reste delta sur gamma, facteur de R gamma moins delta Q, positif. Ça, c'est toujours positif. Donc la seule chose qui nous intéresse, c'est de savoir si R gamma moins delta Q est positif. Ça, c'est le critère de stabilité. Okay. Notre modèle, il est stable si ce critère-là, il est respecté. Réorganisons un peu tout ça histoire de voir. R gamma supérieur à delta Q, c'est la même chose. R sur Q gamma supérieur à delta, c'est toujours la même chose. R sur Q supérieur à delta sur gamma, c'est encore la même chose. Ça, c'est notre critère de stabilité. Et c'est là que vous devriez tous collectivement être en train d'avoir une espèce d'illumination géante, puisque tout a maintenant du sens dans ce qu'on a fait jusqu'à présent. Rappelez-vous que ce critère-là, ce qu'il nous donne, dans notre espace qui est défini par les valeurs de x, puis les valeurs de y, l'isocline du prédateur va aller couper
Alors l'axe des x à delta sur gamma et l'isocline de la proie va aller la couper à r sur q. Et donc ce qu'on avait établi dans la séance précédente, c'est que l'équilibre il existe à condition que delta sur gamma soit inférieur à r sur q. Et donc là, ce qu'on vient d'établir, c'est que l'équilibre il est stable à condition que delta sur gamma soit inférieur à r sur q. Donc qu'est-ce qu'on est capable de dire sur ce système-là? On peut dire que si x étoile est supérieur à 0 et y étoile est supérieur à 0, l'équilibre il est stable. Donc la façon correcte de dire ça, c'est que l'équilibre il est stable dès qu'il existe. Okay? Pour toutes les valeurs de paramètres qui font que l'équilibre existe, l'équilibre il est stable. Ce qui n'est pas le cas dans tous les modèles. Et on peut aussi se poser la question de est-ce que nos valeurs propres sont des parties imaginaires ou non? Exercice que vous pouvez faire juste pour vous dégourdir un peu vos muscles mathématiques, mais on peut se poser cette question-là. Mais là, la réponse qu'on a, c'est que à partir du moment où cet équilibre il existe, il est stable. Vous allez pouvoir refaire le même calcul avec l'équilibre en absence de prédateur et en présence de proie. Vous posez la question de celui-ci, est-ce qu'il est instable? Vous allez pouvoir comparer ce résultat à est-ce que cet équilibre il était envahissable aussi? Est-ce que ça nous donne la même chose? Et donc poser la question de si cette condition est réunie et respectée, pardon, qu'est-ce que ça implique pour notre système en termes de où est-ce qu'il va finir et avec quel type de régime il va se rendre sur ce point. Ok. On va pas avoir le temps de faire on va pas avoir le temps de faire le troisième modèle, le quatrième modèle en fait que je pensais faire. Ce qui n'est pas extrêmement grave. Les points principaux à retenir, c'est en fait il n'y en a pas tant que ça. Ce qui est toujours mêlant dans l'analyse de stabilité, c'est qu'il y a plein de concepts qui viennent de domaines un peu différents. Il y a ces questions d'algèbre linéaire, c'est quoi la trace, c'est quoi le déterminant de la matrice, qu'est-ce que ça nous apprend? Il y a nos polynômes caractéristiques, là c'est les déterminants d'une matrice, mais c'est aussi un polynôme qu'il faut résoudre. Puis après il y a des nombres complexes là-dedans qui arrivent dans certains cas. Gardez en tête que tout ça en fait c'est des façons d'exprimer la même chose, est-ce que la partie réelle des valeurs propres elle est négative? Si oui, c'est stable. Est-ce que la partie imaginaire des valeurs propres, elle existe? Si oui, ça oscille. On peut exprimer ça de plein de manières différentes. Puis quand on écrit l'équation du polynôme caractéristique, par exemple pour notre système avec deux équations, on est capable d'exprimer ça en termes de traces et de déterminants de notre matrice jacobienne évaluée au point d'équilibre. C'est super important. Tout vient de ça, en fait. La séparation entre les systèmes qui oscillent et les systèmes qui oscillent pas, c'est parce qu'il faut que le terme qui est sous la racine carrée dans la solution de notre polynôme, il soit positif si on veut que ça oscille pas, il faut que ce soit négatif si on veut que ça oscille. Donc c'est plein de différents concepts. Puis la meilleure façon de vérifier que vous les avez acquis dans un premier temps, puis maîtrisés dans un second temps, c'est de prendre différents modèles et d'aller refaire ce calcul. Puis dans un même modèle, de refaire les états d'équilibre, les différents états d'équilibre, et puis refaire ce calcul. Parce qu'évidemment, là, on a choisi un état d'équilibre par modèle, qui était celui qui était intéressant, celui avec les deux espèces, mais il faut aussi le faire pour l'ensemble des états d'équilibre. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez refaire avec les modèles qui sont là. Vous pouvez aussi le faire pour le modèle de compétition intra et inter spécifique. C'est un exercice qui est vraiment intéressant juste parce que le modèle il a la caractéristique d'être symétrique et du coup vous allez voir ce que ça vous apprend sur les relations entre les taux de compétition et puis la stabilité du modèle. C'est un exercice qui est tellement classique et qui est fait tellement de fois ligne par ligne sur Internet que je ne voulais pas le faire aujourd'hui.
Ça vaut la peine de le faire vous-même avant d'aller chercher la correction. Les analyses de stabilité, gardez ça dans un coin de vos têtes pendant quelques semaines, probablement, et revenez-y un petit peu plus tard. Okay, c'est un concept qui demande pas mal de temps pour le comprendre. Mais ce qui va vous aider, c'est vraiment de pratiquer tout ça. Donc prenez le temps de laisser ça mariner un petit peu, et puis dans quelques semaines, quelques jours, comme vous voulez, essayez de refaire une partie des exemples. C'est toutes des dérivées qui sont hyper faciles à calculer, donc ça devrait vous aider. Il n'y a pas de piège au niveau de chercher les solutions ici, il n'y a rien qui est très très compliqué, tout se simplifie très bien, c'est pour ça que j'ai choisi ces modèles-là. Refaites-le. Et puis une fois que vous l'aurez refait, si vraiment vous avez encore des questions, bah ce sera le moment de voir si on peut clarifier certains points. N'oubliez pas qu'on aura une séance de révision avant les évaluations de mi-session. Et donc en général, c'est la séance qu'on utilise pour refaire 1 heure sur les analyses de stabilité. Ok, je vais arrêter la diffusion maintenant. Je vais passer les 20 prochaines minutes. Je vais être là sur Discord si vous avez des questions auxquelles vous voulez répondre. Et j'ai enregistré le corrigé de l'exercice sur le chémostat, mais j'ai oublié d'allumer mon micro, donc je vais le refaire. Et je vous l'enverrai, j'espère, aujourd'hui en fin de journée ou demain. Et on se retrouve mardi matin.